Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, près de 400 personnes ont pu visiter le chantier de rénovation de l'espace des arts. Pour vous, nous avons capté l'exposé des guides exceptionnels du week-end, les architectes du chantier. Suivez le Belge Pierre Eblink et le Lillois Mathieu Berthelot dans une visite inédite. Ce que nous avons démonté tout le socle qui était opaque, qui était noir. Et donc, nous avons également proposé de prolonger ça avec la rotonde. Vous verrez l'espace de la rotonde que vous avez connu avant et la métamorphose aujourd'hui, puisque nous avons démonté, comme nous l'avons fait ici, intégralement la dalle haute de la rotonde pour faire que l'espace de restauration se trouve au niveau du parvis pour pouvoir plus facilement interagir avec la cité, sortir des tables, des chaises et faire que l'on va pratiquer le parvis alors qu'on ne le pratiquait pas. Donc une fois qu'on avait, je dirais, traité cette problématique, nous avons réorganisé l'ensemble des flux. Donc pour cela, nous avons créé des nouveaux escaliers. La trémie qui est ici, ce sera le futur escalier d'entrée à l'établissement, qui sera à l'intérieur et non plus à l'extérieur. Donc ici, nous sommes sur le plateau de la grande salle. Au-dessus de votre tête, les cintres et toute la cage de scène. Donc tout le gradin va être rehaussé. Et le dernier niveau du gradin va se trouver 3,50 m au-dessus du niveau aujourd'hui, c'est-à-dire au niveau de la régie en partie haute là-haut. Donc en fait, le premier rang va se trouver au même niveau que le plateau. Ce qui va donner aussi un meilleur rapport salle-scène entre les acteurs et le public. Donc on termine la visite par ici. Nous sommes donc sur la terrasse de la salle de réunion. Ce que l'on voit ici, donc, c'est l'ascenseur justement qui va régler l'ensemble des problèmes de mobilité dans l'équipement. C'est aussi le volume de la cage de scène avec la lanterne et la résidence d'artistes tout là-haut. On ne peut pas y aller aujourd'hui, vous le verrez sans doute à l'inauguration, mais en tout cas, je peux vous dire que la vue qui est là est totalement exceptionnelle. Pour poursuivre la visite et faire de nouvelles découvertes, écoutez l'intégralité des propos des architectes sur kaleidoscope.fr.